Bonjour à tous. David Rousseau, ancien chercheur à l'Université d'Angers. Dans cette courte vidéo, j'ai le plaisir de vous présenter la première session de formation de l'Action nationale de formation DeepScopy, qui est une action nationale de formation du CNRS en partenariat avec le GDR IMABIO et le réseau RTMFM. Nous allons traiter dans cette première session des principes de base et de mise en pratique de l'apprentissage profond par réseau de neurones, deep learning, pour la microscopie. Il se tiendra en ligne les 13, 14 et 15 juin. Vous avez dans cette description un petit peu le contexte et enjeux. Je m'attarde sur le public visé dans cette action nationale de formation qui s'adresse aux ingénieurs de plateformes de microscopie et aux biologistes qui sont amenés à analyser des images ou interagir avec des traiteurs d'images. Les prérequis sont d'avoir des bases d'analyse d'images classiques. La pratique d'un langage de programmation est fortement conseillée, quel qu'il soit, mais pas indispensable dans la mesure où vous n'auriez pas peur de mettre les mains dans le moteur ou dans du code d'une manière générale. Les objectifs sont qu'à l'issue de cette première formation en ligne, vous aurez des connaissances de base pour comprendre le fonctionnement des réseaux de neurones profonds et serez à même de démarrer vos propres projets d'analyse d'image par ces méthodes. Donc c'est un enseignement par la pratique, on va dire. Un accompagnement sera proposé dans ce qu'on appelle l'épisode 2, qui sera en présentiel au mois de novembre 2022, pour un niveau un petit peu plus avancé. Et puis, dernier épisode, une dernière session, sera également en présentiel pour une comparaison des outils commerciaux et sera réalisée cette fois-ci en décembre, toujours 2022. Le programme du premier épisode, la première session, se déroule sur 3 jours. Le format est le suivant. Le matin, vous avez des cours qui sont sous forme de vidéos, que vous pourrez suivre soit en amont de la formation, puisque nous donnerons les liens vers les vidéos un mois avant la formation pour le suivre à votre rythme, soit directement en synchrone en suivant les vidéos le matin même. Nous nous retrouvons à 10h30 jusqu'à midi pour une discussion autour de ces contenus. Vous aurez la possibilité de nous poser des questions en ligne, en amont et pendant la séance de discussion. Et nous avons des spécialistes du domaine à nous rejoindre lors de cette discussion table ronde. Nous avons l'après-midi, eh bien, des TP qui ont pour but de vous faire mettre les mains dans le moteur, de manière à ce que ceux qui souhaitent aller vers la programmation puissent le faire et un kit de démarrage. Et que ceux qui ont besoin de comprendre les principes, eh bien, sans forcément aller vers de la programmation par eux-mêmes, soit même de comprendre ce que font les personnes qui codent, ça aide également beaucoup à comprendre les principes de ces méthodes. Nous vous présenterons des outils qui vous permettront de démarrer un projet de zéro, mais également des outils clés en main, notamment sur la dernière journée. Les modalités d'inscription, eh cet épisode 1, il est gratuit, dans la limite des places disponibles. On va veiller à couvrir l'ensemble du territoire national et une priorité sera donnée aux participants plutôt dans les débuts de carrière. L'inscription se fait sur le lien ci-contre avant le 15 avril 2022. L'équipe de formateurs est constituée d'experts expérimentés dans le domaine du traitement d'images, notamment par machine learning, apprentissage machine et deep learning, sera là pour vous accompagner. Nous serons 3 encadrants par groupe de TP de 6 lors des séances de TP. Voilà pour cette présentation. J'espère vous retrouver lors de cette action nationale de formation sur l'épisode 1 ou sur les suivants. À bientôt!